الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا في كتاب المعاملات من كتاب بغي الطالب، الجزء الثاني، صحيفة 4. On est dans le chapitre des transactions dans le deuxième volume de Bughyat al-Talib, à la page 4. يقول المؤلف: والله تبارك وتعالى لما ذكر في كتابه البيع الذي أحله وعرفه بذات التعريف وهي العهدية أو البيع المعروف المستوفي للشروط والأركان، فهي التي تفيد أن البيع الذي أحله الله هو البيع الذي شرعه بالحل المعهود في الشرع حله، فوجب على متعاطي البيع والشراء معرفة ما أحل الله من ذلك، لأنه بدون هذه المعرفة لا يأمن أن يقع في عقد فاسد، في بيع فاسد. الشيخ عبد الله رحمه الله a dit dans son livre, il a dit dans son livre الطالب que lorsque Allah سبحانه وتعالى a dit dans le Coran الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا, il a dit al-bay avec al-ta'rif pour définir que c'est pas toute vente est halal, mais c'est la vente qui a rempli les conditions, qui a rempli les conditions, qui est en conformité avec les lois de l'islam. C'est ce contrat qui est valable. Alors de là, on comprend que la personne doit savoir comment conclure un contrat de vente qui est valable. Il doit savoir qu'est-ce qui est halal à ce sujet, qu'est-ce qui est haram, pour ne pas tomber dans un contrat ou dans une transaction qui n'est pas licite. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سهلا في بيعه وشرائه. المساومة كثيرا في لترخيص السعر مثلا أو الإلحاح على الزبون ليشتري مكروه. Le fait de trop parler, trop bavarder pour baisser les prix, ou le vendeur, il insiste trop sur le client qu'il achète, alors il parle trop, il veut le pousser à tout prix de l'acheter, c'est une chose déconseillée. An-Nabi alayhi salatu wa salam a dit: Rahim Allahu mra'an samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha qada, samhan idha qtada. Tu vois le hadith rapporté par le Bukhari, que Allah Ta'ala soit clément envers la personne qui n'est pas compliquée, qui est cool, qui est facile lorsqu'il achète, lorsqu'il vend, lorsqu'il rembourse la dette, lorsqu'il demande une dette. Il est une personne simple, il n'est pas difficile, il ne complique pas les choses, il ne fatigue pas l'autre. S'il est vendeur ou client, il ne le fatigue pas. من عمل بهذا الحديث أصابته دعوة رسول الله. C'est lui qui met en pratique ce qui est dans le hadith. Il est touché par l'invocation du prophète عليه الصلاة والسلام, du fait qu'a dit رحم الله امرأ. إذن الرسول دعا لكل مسلم سهل عند البيع, سهل عند الشراء, سهل عند أخذ الدين أو عند رد الدين. C'est une personne très simple et qui n'est pas difficile. Et le prophète a dit que Allah soit clément envers cette personne lorsqu'il vend, lorsqu'il achète, lorsqu'il rembourse la dette ou lorsqu'il demande une dette. Lorsqu'il demande une dette. اقتضى أي معنى طالب بدينه. اقتضى قضى رد الدين. اقتضى أي طلب بالدين. Que Allah soit clément envers la personne simple, سمح, facile, lorsqu'il vend, لما يبيع, lorsqu'il achète, لما يشتري, إذا قضى, lorsqu'il rembourse la dette, وإذا اقتضى, alors lorsqu'il réclame ses dettes. Il réclame d'une manière simple, d'une manière facile à supporter de la personne. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يجادل في لما يشتري لما كان يجادل. النبي عليه الصلاة والسلام n'était pas quelqu'un qui parle trop pour baisser les prix. يعني à quel prix? Soit
ça m'arrange, j'achète, soit je n'achète pas. Ma kana, yaqul akhfid min as-sa'r, anqis min as-sa'r. هذا السعر الذي تطلبه أنت لا يوافقك تقول أثن لا أشتري ce prix ça ne m'arrange pas خلص tu as proposé moi je n'achète pas à ce prix بعض الأحيان البائع بيقول لك أنا لا أنقص هذا سعري ولا بدك تنقص tu vois il y a des gens qui le vendeur il dit c'est ça mon prix j'ai pas deux prix j'ai un seul prix non non il faut baisser il fatigue le vendeur Et des fois, c'est le vendeur qui fatigue le client. Voilà, je ne veux pas acheter. Non, je baisse le prix pour toi. Mais non, je ne veux pas l'acheter. Non, non, je baisse encore. Pourquoi? Alors, il fatigue le client. Et des fois, le client, ils font des trucs avec lui pour qu'il se gêne, qu'il ne sort pas sans acheter. Il ne sort pas sans acheter. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. فالبيع الجائز هو ما كان العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع. Il commence à citer maintenant, c'est quoi les piliers, comment faire une vente halal. Il a dit que la marchandise qu'on achète et le prix qu'on paye, que les deux choses soient halal. فلا يجوز بيع الميتة. On ne peut pas vendre un animal mort sans être égorgé. On ne peut pas vendre non plus L'alcool, ma fin un bi'a al-khamr, ma bi'a ma fin un bi'a. On ne peut pas vendre le sang, ma fin un bi'a al-dam. On ne peut pas vendre les statues, ma fin un bi'a al-asnam. On ne peut pas vendre les photos des humains, des êtres vivants, ma fin un bi'a al-sawar, l'insan ou al-hayawan. Haydi, j'ai bit la voix. À la base, ces choses-là, il faut les casser et pas les vendre. فإذا إذا بعت شيئا حراما في الشرع لا يصح c'est pas valable حرم إذا حرم الله أكل شيء حرم بيعه أكل ثمنه si Allah a rendu telle chose haram alors c'est haram de la vendre et manger ou consommer le prix فلا يجوز بيع المحرم المتفق على حرمته عند جميع الأئمة ce qui est haram chez tous les imams on ne peut pas le vendre comme je viens de dire l'animal non égorgé, l'alcool, c'est des choses qui sont haram chez tous les imams, alors c'est pas valable de les vendre. وأما المختلف في إباحته فيجوز عند الإمام الذي يبيحه وإن كان عند غيره ممنوعا. S'il y a une chose ou il y a une divergence, est-ce qu'on peut acheter ou non? Alors, selon l'imam qui dit qu'on peut l'acheter, on peut l'acheter. الكلب المعلم, الكلب المعلم. يجوز بيعه عند أبي حنيفة عند الشافعي لا يجوز لأنه نجس لا يصح بيعه. alors le chien dressé pour la chasse pour le troupeau. alors le chien dressé selon Abu Hanifa on peut le vendre mais selon l'imam Shafi'i non on peut pas le vendre c'est quelque chose impur on peut pas le vendre. et lorsque tu dis ça m'appartient pour Shafi'iya tu dis il Et c'est dans le sens irtisasi, c'est quelque chose qui me concerne dans le sens là. Parce qu'ils disent comment tu peux dire c'est à toi et c'est une impureté. إلا أنه عند بعض الأئمة يجوز بيع عظم الميتة كنابل فيل أن ذلك عندهم ليس بنجس. Alors comme on a dit, on ne peut pas vendre l'animal mort sans être égorgé et tout ces parties sauf que certains imams comme Abu Hanifa il dit les os du cadavre les os du vache l'ivoire de l'éléphant ce n'est pas une impureté alors selon Abu Hanifa on peut vendre l'ivoire de l'éléphant parce que pour lui ce n'est pas une impureté les os comme l'ivoire الناب الفيل أو ناب وحيد القرن ولو je ne sais pas comment il s'appelle celui-là le pic de l'animal qui est connu là le grand là c'est les Chinois qui payent cher pour ça c'est les Chinois parce qu'ils disent le gramme il est à tel prix ils pensent que ça donne de l'énergie aux hommes Allahu a'lam si c'est vrai hein. ومن شروط صحة البيع الطهارة في الثمن والمثمن. Parmi les choses qui sont comme condition, il faut que le prix
Et la marchandise qu'on achète, ce qu'on a acheté et ce qu'on a donné comme prix, les deux soient purs. فلا يصح مثلا كما قلنا انه تبيع شيء نجس لا يصح بيع البول او الدم. On ne peut pas vendre le sang, on ne peut pas vendre l'urine. Et le prix, ce que tu donnes, encore, il faut être encore dans la question qui est pure. ويكون البيع غير مؤقت او معلق فلا يصح ان يقول له بعتك هذا البيت الى سنه او السياره الى سنه. البيع لا يكون مؤقتا، الاجاره تؤقت وليس البيع. On ne peut pas vendre pour un délai, c'est-à-dire pour une durée. On dit, je te vends la maison pour une année, ou je te vends la voiture ou la monture pour 2 mois. Non, ce n'est pas valable. On ne peut pas limiter le temps. On dit, je te le vends pour tel. Il y a des choses qui auront lieu comme ça. Ils disent, on te vend la maison pour 99 ans. L'État, ils disent, oui, on ne donne pas pour toujours, on vend pour 99. Ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable de vendre pour un terme où d'après eux, l'achat termine. 99. 99, monsieur. ولا يصح أن يكون معلقا. Non, il ne faut pas tendre les pieds lorsqu'il y a des livres de religion là. معلقا كأن يقول مثلا إذا شفى الله مريضي بعتك هذا البيت بكذا. Je te vends la maison si mon fils qui est malade trouve la guérison. Si c'est lui qui est en voyage retourne, je te le vends à tel prix. معلق. C'est conditionné. إذا جابت مرتي صبي. Si mon épouse a couché un enfant, un garçon, je te le vends à tel prix. Encore là, yassuhu hada. Parce que hada mu'allaqun. Lakin, fi k'tullu mathalan, bi'atuka kada, tusallimni l'mal fi yom kada. Tu peux dire, je te vends la maison à tel prix, tu me donnes maintenant une somme et tu donnes à tel mois une autre somme. On peut faire. ويشترط في المبيع أن يكون منتفعا به ويكون معلوما. Dans la vente, il faut que ce qu'on vend soit profitable. On peut vendre quelque chose qu'il y a un profit شرعا. مثلا حصان ولو كان في الحال لا ينتفع به لكن بعد ذلك ينفع كالحصان الصغير أو الجحش الصغير بعد ذلك ينتفع به يصح بيعه. Si actuellement on ne peut pas tirer profit parce que c'est un petit cheval, un poulain ou c'est un petit âne. Oui, mais dans quelques mois après, tu peux tirer profit. Dans une année ou 2 ans, on peut vendre. لكن لا يصح بيع مثلا بضعة أحجار، 4-5 أحجار، هذه أي شيء ينتفع فيها. Le fait de vendre quelques pierres, à quoi ça sert une pierre? Ou quelques grains du blé. 4 حبات 5 حبات قمح. Oui, tu dis, j'ai un chat, je vais l'attraper. Mais ce n'est pas un profit considéré. هذا ليس منفعة معتبرة. أن يقول بعتك حبتين قمح أو 4 حبات قمح. أي منفعة؟ وأن يكون البائع قادرا على تسليمه. Le vendeur arrive, une condition que tu arrives à livrer ce que tu as vendu. أما ما فيك بيع السمك في البحر والعصفور الذي هرب مثلا. Tu peux pas vendre les poissons dans la mer et tu n'as pas encore pêché. Ou un oiseau qui avait chez toi et il a pris fuite. Tu peux pas livrer. Tu peux pas livrer. Ou un cheval qui a pris fuite. Tu n'arrives pas à le trouver ni à livrer. C'est pas valable de le vendre. ولا يكون معدوما كبناء لم يبنى بعد. كتير من الناس بيبيعوا هيك. كثير من الناس بيع الطابق الثاني والثالث والرابع وبعده البناء ما طلع بس عنده الخريطة. لا يصح. Le fait de vendre quelque chose qui n'existe pas encore, comme beaucoup font, et il dit voilà la carte, ici on va avoir un bâtiment de 30 étages, dans chaque étage il y a 2 maisons, et il y a un jardin devant, voilà la description selon les cartes. Et commencent les gens à acheter le 4e, le 5e, le 10e, le 12e, à droite, à gauche. C'est pas valable parce qu'on n'a rien vu
Et combien de gens, ils ont eu des coups très durs, parce que les autres, ils étaient des voleurs, des magouilleurs, ou ils n'ont pas pu continuer suite à des difficultés. Alors, ce n'est pas valable de vendre ce qui n'existe pas. هناك طريقة لا بأس بها وهي اشتري مريد البيت الذي لم يبنى بعد جزء من الأرض التي يقام عليها البيت مشاعا أي بدون تحديد جزء معين منها كان يقول اشتريت عشرها ثم عندما ينجز البناء يقول له اشتريت منك هذا البيت بحصتي من هذه الأرض طريقة une solution parce que des fois la personne a besoin de l'argent pour construire et là le terrain qui est 500 mètres, alors il peut dire le client, j'achète par exemple le 10% du terre, le 10% sans préciser, de ces 500 mètres, j'achète 50, macha'an, c'est-à-dire de cette totalité, je prends 50, le 1 dixième, et voilà, il paye par exemple 100 000. Et lorsque l'autre, il construit le bâtiment, il dit, voilà, telle maison, une fois qu'il est construit, je l'achète de toi à ma part que j'ai acheté du terrain. اشتريت منك ذلك البيت هذا البيت بحصتي من الأرض اللي هي العشر يصح إذا كان هذا يساعد صاحب الأرض ليبني ولا يجوز بيع السنين وهما يفعله بعض الناس ويسمونه ضمان الشجر لسنين ثلاث سنوات أربع سنوات أو خمسة أما إن باعه ما على الشجر من الثمر لمرة واحدة بعد يعني هو ظهر بدأ صلاح يقول اشتريته منك يصح أما إن لم يبدو الصلاح يجوز أن يبيعه بشرط القطع يعني في شروط لهذا Alors, c'est pas valable de dire je vends les fruits de mon verger pour 5 ans. Il a un verger de 1000 arbres de dattes ou de raisins ou de pommes. Voilà, je te vends les fruits de mon verger pour 5 ans. Mais c'est possible qu'il aura une saison bien, deux qui ne sont pas bien. C'est possible qu'il n'aura rien. C'est possible qu'il y aura beaucoup pendant 5 ans. Alors, c'est gharar, gharar yani khatar, et il y a une méconnaissance et danger, alors ce n'est pas valable. Mais une fois qu'on a les fruits, ils sont en état de. On peut les cueillir, ils sont devenus un peu sucrés, on peut les cueillir, alors là, tu peux vendre les fruits qui sont sur les arbres. Tu lui dis, regarde, il passe chez les arbres, il voit tous ces fruits, après il les achète. هذا يصح أن يبيع الثمر بعد ما ظهر إلا إن لم يبدو الصلاح s'il n'est pas encore mûr le fait de vendre les fruits s'ils ne sont pas mûrs avec condition de les couper ولو لم يقطعه بعد ذلك ولم يقطعه بعد ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه